Bon, on va commencer notre petit concert avec Mozart. Anthony est pianiste professionnel. Aujourd'hui, il joue devant un public un peu particulier. Donc je leur joue de la musique classique. Par exemple, j'ai joué le célèbre thème de Mozart, les variations à vous dirai-je maman. Dans la musique classique, il y a certains morceaux qui peuvent paraître difficiles d'accès, surtout pour les enfants. Et le fait de revenir et de leur rejouer des mêmes morceaux permet aussi à eux de les assimiler encore mieux et de se les approprier. S'approprier les morceaux. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de jouer ? Qui veut aller jouer tout ça ? Mais surtout l'instrument. Les enfants se transforment en pianistes d'un jour. Qui vont vouloir presque taper dessus, cogner dessus, s'amuser avec. Il y en a qui vont jouer plus doucement sur le piano. Et ça, on le ressent tout de suite, comme des personnalités artistiques de chaque enfant. Un atelier synonyme de détente, mais aussi d'apprentissage, selon la musicologue de la crèche. Par la découverte de sons d'instruments de musique, de styles de musique différents, des comptines dans différentes langues, les enfants développent cette capacité de mémoire, de concentration, un lexique beaucoup plus riche, beaucoup plus varié. De quoi développer l'oreille musicale de ces artistes en herbe.